Vraiment un petit groupe de personnes, finalement, qui sommes, on va dire, travailleurs ici en Belgique, que ce soit dans des structures de recherche ou des entreprises pharmaceutiques ou biotechnologiques. Et donc là, nous formons un petit groupe de personnes qu'on peut appeler des experts qui permettent à l'Algérie d'avoir un soutien de l'extérieur pour, on va dire, prouver que nous, de l'extérieur, on peut aider aussi l'Algérie. Et donc, on veut étendre notre petit groupe à toute la communauté algérienne en Belgique pour donner la chance à tous ces gens-là d'aider l'Algérie malgré notre éloignement. Et donc, on vient aujourd'hui avec un projet qui est en relation avec le Covid-19, bien sûr, qui a touché tous les pays. Mais chaque pays se défend avec ses armes. Et l'une, on va dire, des solutions pour freiner un petit peu l'avancée de cette pandémie, c'est de réaliser des tests de dépistage. Et donc, ces tests de dépistage freinent drastiquement l'avancée du virus parce qu'on isole la personne et ça nous permet de limiter la contagion du virus. Et donc là, aujourd'hui, on va dire, on a pensé à ce projet car on est en contact avec l'Institut Pasteur d'Alger parce que c'était la structure principale en Algérie qui effectuait le dépistage en Algérie. Et par la suite, il y a eu de bonnes volontés, d'autres laboratoires qui ont proposé d'installer d'autres laboratoires de diagnostic régionaux à travers le pays. Cependant, malheureusement, ils sont confrontés à la problématique du manque de réactifs, qui est un problème mondial. Et donc là, ces structures aujourd'hui ne fonctionnent pas à plein régime. Du coup, on va dire le clinicien algérien en Algérie a parfois du mal à traiter les patients car il n'a pas un diagnostic, on va dire, qui est fait sur tous les plans parce qu'aujourd'hui, on utilise différentes techniques de diagnostic. Nous, ce qu'on propose, c'est une solution concrète. On réagit en Algérie. Cette difficulté, nous l'avons bypassée en quelque sorte ici en Europe grâce à notre réseau, grâce à des fournisseurs fiables et grâce à l'expertise de nos chercheurs et médecins qui sont avec nous.